Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors c'est bon, le décret précisant les modalités de versement de la prime de pouvoir d'achat pour les agents de la fonction publique territoriale, il est bien paru au journal officiel. Je vous parle évidemment de la prime de 300 à 800 euros qui peut être versée à tous les agents publics fonctionnaires ou contractuels, tous les agents publics de la fonction publique territoriale, assistants maternels aussi et assistants familiaux. Je vous remets les conditions de versement de cette prime et aussi dans la description de cette vidéo. Alors juste un petit rappel, pourquoi ça a traîné la publication de ce décret pour pouvoir verser la prime dans la fonction publique territoriale? Parce que les syndicats ont unanimement refusé de voter ce décret qui leur avait été présenté préalablement à sa publication au journal officiel, parce qu'il y avait des conditions supplémentaires d'imposer à la fonction publique territoriale par rapport à ce qui était applicable aux collègues de la fonction publique d'État et hospitalière. L'échéance, c'est pas automne 2023, c'est jusqu'au 30 juin 2024 pour les employeurs territoriaux qui voudraient verser cette prime. Cette prime, elle est optionnelle, facultative, les employeurs territoriaux ne sont pas obligés de la verser, et en plus le montant, il peut être variable, c'est eux qui décident du montant, mais évidemment dans la limite du plafond imposé par l'État de 300 à 800 euros. C'est d'ailleurs sur cette base que nous, au Conseil Régional, notre employeur, il a décidé de gratter 200 euros sur cette prime, c'est-à-dire que la prime qui sera versée avant la fin d'année aux agents du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, ceux qui répondent aux critères précédemment exposés, ça ne sera pas de 300 à 800 euros, ça sera de 100 à 600 euros. Alors évidemment, dans certaines collectivités, l'argument qui revient, c'est qu'il n'y a pas les moyens financiers nécessaires pour verser cette prime aux agents. Certaines collectivités ne disposent pas des marges de manœuvre pour verser cette prime pouvoir d'achat. Ça revient en boucle. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. La politique de rigueur se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 84. Il y a une situation qui peut être inquiétante. 46 milliards d'économies entre 2015 et 2017, grâce en particulier à l'implication de l'ensemble des administrations. Nous faisons partie des pays les plus endettés maintenant. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Et quand j'étais ministre des Finances, en fait, vous l'avez rappelé, je l'ai été. Qu'est-ce avec qui augmente, notamment les dépenses de personnel qui augmentent. Vous aviez beaucoup augmenté les impôts, hein, 50... Énormément. Et principalement sur les classes moyennes. Et tout à fait. C'est ce qu'ont dit d'ailleurs les employeurs territoriaux pour faire modifier le décret qui s'applique à la fonction publique territoriale et obtenir que ça soit facultatif. Bon, mais si je vous fais cette vidéo, c'est pour dire à tous mes collègues qui sont dans la fonction publique territoriale comme moi que maintenant que le décret est publié, faut pas se ranger derrière cet argument de « il n'y a pas de ressources, on peut pas la donner cette prime ». Il faut aller taper les exécutifs locaux pour qu'ils vous la versent. Si vous ne demandez rien, il ne se passera rien, ça c'est sûr. Il faut demander le versement de cette prime, comme on l'a fait, nous, au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et oui, certaines collectivités ne disposent pas de marge de manœuvre pour verser cette prime. Mais vous ne devez pas vous mettre en tête cet argument qui est un argument employeur. Vous êtes du côté des employés, des salariés, vous êtes un agent au sein d'une collectivité territoriale, et votre objectif, c'est d'obtenir cette prime, puisqu'il n'y a plus aucun obstacle réglementaire à son versement. Le seul obstacle qui reste, c'est l'accord de votre exécutif, de votre patron. Donc ce que je vais faire, je vais vous donner quelques arguments pour maintenant aller taper vos exécutifs et essayer d'obtenir cette prime avant la fin d'année. D'abord, cette prime, elle permet de compenser l'inflation. Cette prime, elle permet de compenser la hausse du coût de la vie. C'est pas la peine que j'évoque là-dessus. Tous les jours, on a des informations pour dire que l'inflation, elle est insoutenable en France. Ensuite, cette prime, elle permet de soutenir le commerce local. Autre argument que vous pouvez développer. Les territoriaux, c'est 75% d'agents de catégorie C en France. Ils vont pas prendre la prime pour aller faire les boutiques à Dubaï. Cette prime, elle serait, si elle est versée, rapidement réinjectée dans l'économie locale. Et donc, elle soutiendrait les commerces de proximité. Autre argument que vous pouvez développer auprès de votre employeur pour obtenir cette prime, c'est que cette prime, c'est en quelque sorte investir dans le bien-être des agents. Et ça évite en fait des coûts indirects comme baisse de productivité ou l'augmentation de l'absentéisme. Parce que si vous obtenez pas gain de cause, bah vous allez faire la tronche, vous allez râler. Et donc, vous allez être moins productif. Et c'est bien normal. Autre argument que vous pouvez déployer, alors si vous êtes représentant du personnel, vous pouvez aussi jouer sur la couleur politique de votre exécutif, l'orientation politique de l'exécutif de votre collectivité. Par exemple, si votre exécutif, il est plutôt de gauche,
Eh bien, les représentants du personnel, ils peuvent rappeler les valeurs traditionnellement associées à la gauche, telles que la solidarité, l'égalité, la justice sociale, et que cette prime, elle est en adéquation avec ces valeurs, puisqu'elle était versée aux fonctionnaires d'État hospitaliers, bah, faut la verser aux fonctionnaires territoriaux, et que l'octroi de cette prime, ça serait un acte cohérent avec leurs principes. Ne pas octroyer cette prime, au contraire, ça serait sérieusement entacher leur image d'homme de gauche, d'homme et de femme de gauche, et à une époque où la République, l'image publique, eh ben, c'est important, ça pourrait engendrer un effet cancel, préjudiciable pour leur crédibilité, leur popularité auprès de leur électorat de gauche. Alors, si votre exécutif, l'exécutif de votre commune, de votre collectivité, il est plutôt de droite, bah, vous pouvez peut-être jouer sur l'argument suivant, c'est que cette prime, elle peut être présentée comme un moyen de renforcer la fibre sociale de votre exécutif de droite. Et que c'est une occasion en or pour eux de montrer leur engagement envers les agents. Ils pourraient envisager d'envoyer une lettre, par exemple, à leurs agents pour communiquer sur leur soutien pour le pouvoir d'achat des agents, que les agents, ils ont travaillé dur, ils ont travaillé plus cette année, et donc ils seront plus payés cette année avec cette prime. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Travailler plus pour gagner davantage. Puis si l'exécutif, l'autorité territoriale appartient à la même couleur politique, au même parti que le gouvernement, bah là facile, ça serait quand même paradoxal, incohérent, qu'il n'applique pas une mesure proposée par le gouvernement. Donc les représentants du personnel, ils pourraient souligner ce besoin de cohérence entre l'exécutif local et l'exécutif national. Bon voilà, je vais pas être plus long. Je vous ai préparé un petit fichier avec tous ces arguments, là. Alors ils ne sont pas tous au top, hein. Vous ferez votre tri, vous ferez votre choix en fonction de votre collectivité, de ce que vous sentez, ce que vous ne sentez pas. Il faut bien peser le pour et le contre. Gardez en tête juste votre objectif à vous, c'est de convaincre votre exécutif que vous versez la prime, c'est une bonne chose. Donc vous vous inscrivez dans le lien que je mets dans la description et dans le premier commentaire, et je vous envoie ça par mail immédiatement. Je vous envoie aussi 2-3 autres informations que j'ai sur cette prime pour vous aider. Je vous mettrai aussi la délibération pour information qui a été adoptée au conseil régional par les élus pour nous verser cette prime. Ce qui serait bien aussi, c'est de mettre dans les commentaires de cette vidéo si dans votre collectivité, dans votre mairie, dans votre PCI, eh ben, vous allez avoir cette prime, ou si vous n'allez pas avoir cette prime, qu'on puisse avoir des informations sur les exécutifs qui soutiennent le pouvoir d'achat des agents, et puis ceux qui ne soutiennent pas les agents dans ce contexte compliqué où l'inflation est encore très importante. Bon, voilà, pouce bleu si vous aimez cette vidéo, et puis surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt. Je t'ai pas trop dérangé ?